Bonjour, monsieur Galamel. Excusez-moi, j'ai entendu un petit bruit, je me suis dit, ils doivent bricoler. Ah, bah vous déménagez. Ah, bah, alors là, ah, bah, je vous donne un coup de main. Oh, bah, ah non, parce que le déménagement, moi, je connais ça par cœur. Et je vous jure que ça va aller vite. Il y en a qui feraient venir des déménageurs prendre un petit travail comme ça. On verra ça nous-mêmes. Ah, ça va, monsieur. Ça va. Bon, alors attendez. Bah, ça va l'air très simple. Alors l'armoire, vous voulez qu'elle aille par là, hein? Et puis le lit par là. Non, justement, c'est le lit par là, l'armoire par là, parce que l'antichambre nous sert de plaque tournante. Ah, vous avez une plaque tournante? Oui. Attendez, alors, le lit par là et l'armoire par là. Oh, pardon. Vous n'avez pas pris les mesures? Pas les mesures, non, on n'a pas eu le temps. Ça fait rien, je pense qu'il y a autre chose, là. Oui, mais ça fait rien. Attendez, 47. Non, là, vous me gênez, frère. Papa, tu gênes, mais je suis qu'à l'autre. Ah, bah, ça passe. Ça passe, là? Mais on pense que plus de la tête, là, parce que regardez. Oh, oh, on en passerait deux, papa. Regardez donc. Hein? Bon, alors, vous, jeune homme, vous allez vous mettre dans le placard, hein? Et vous laissez la porte ouverte, hein? Vous, monsieur... Langlois. Vous entrez dans les batailles, vous serez là-dedans comme chez vous. Bon, alors, attendez, bon, alors, écoutez. Moi, j'amène l'armoire, je la pousse par derrière. Oui. Et vous, quand elle passe, par le côté, vous aidez. Ah, on aide. Hein? On aide. Et vous, en sens inverse, vous aidez. Bon, attendez. Bon, allez, allons-y. Là-dessus, je me mets dans le placard, papa mais dans les vaches. Il arrive. Calomel pousse. Oh, attention, à mon commandement. Allons-y. Et nous l'a coincé. Eh ben, vous aidez. Ben, c'est coincé, là. Comment j'ai pas de prise. Je peux pas. Ben, attendez, je réfléchis. Parlez-moi. Ben, il faut nous aider, quand même. On peut pas rester là comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut réfléchir. Il réfléchit? Bon, ben, dis-lui qu'il se dit. Tu sais que tu travailles demain, toi, papa? Eh, mais parlez-moi, Oh, mais toi, tu t'en fous. Toi, tu peux lire, mais moi, là-dedans, qu'est-ce que tu veux que je... Voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Voilà. Oui. Allons, bon, il arrive avec une scie. Qu'est-ce qu'il va faire avec la scie? Mais vous dégagez, ça va aller vite. Mais attention, c'est une armoire du côté de ma femme. Hein? Oh, ben de ce côté-là, ça se lui rapporte. Hein? Attendez, je vous rejoins à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais où êtes-vous? Eh ben, ici. Mais où ça? Je suis là, quoi. Je vous vois pas. Eh ben, je suis ici. Où ça? Ben, là. Mais où, là? Je suis là. Où? Ah, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Libre! Les dents, L'Anglois! Merci. Ouf! Ah, bah vous auriez pu me prévenir! J'aurais prévu jour de vacances! Vous pouvez faire, vous faites des histoires pour rien. Ah non, mais vous en faites pas, madame, pour le lit, ça va aller plus vite, hein. Allez, jeune homme, manque-moi le chemin! Allez! Il y aura du bois pour allumer le feu cet hiver. Mais on n'était pas découragés. Hop! Oh! Non, mais laissez-nous faire, jeune homme. Ça va aller vite. Bon, moi, dans une. Allons-y. Non! Ah, la porte est fermée. Oh, oui, mais on ne pas qu'il est. Non, mais ça va aller là. Et hop! Hauteur! En hauteur, c'est bon. Ah, ça touche. Ah, ça passe pas là. En arrière, c'est pas. En largeur. J'aurais tant voulu leur donner la main, moi, pour la peinture. Aïe, bouge, bouge, bouge.